pourquoi j'ai adhéré à la LDH, parce que depuis que j'ai 13 ans et demi, j'ai des engagements citoyens. À 13 ans et demi, c'était mon premier engagement. J'en ai eu beaucoup de la LDH. C'est une organisation citoyenne, politique, généraliste. Donc c'était exactement ce qu'il me fallait. C'est une association qui allie à la fois la réflexion et l'action. Et pour moi, c'est parfait. Alors, j'ai adhéré à la LDH pour lutter contre les préjugés, les discriminations. Et en fait, quand j'ai entendu un ministre dire que certaines populations avaient pour vocation de rentrer chez elles, ça m'a donné tout simplement envie de vomir. Et je trouve ça contre-productif si on veut un monde où tout le monde vit ensemble dans le respect de ses différences. Voilà. Moi, je m'appelle Julien. J'ai adhéré à la LDH en 2002, quand on a eu la tragique apparition du Front National au second tour de l'élection présidentielle. Et je suis adhérent à la LDH parce qu'en réalité, j'adhère à ce principe d'universalité des droits et de défense de la dignité de tous les êtres humains. Les hommes naissent libres et en droit. Et comme je suis contre l'injustice, donc en militant pour la Ligue, je rends notre société un peu agréable. Soutenir les actions, les nombreuses actions des Ligueurs, soit au niveau national, parce que la Ligue des droits de l'homme, c'est elle qui fait condamner les municipalités prenant des arrêtés anti-mauricité, c'est elle qui fait condamner les hommes politiques ou les humoristes qui tiennent des propos racistes et xénophobes. Mais c'est aussi de soutenir l'action des Ligueurs qui, par exemple sur Paris, dans plus de 20 points d'accueil, reçoivent des milliers de sans-papiers, des milliers de personnes en demande de logement, les accompagnent dans leur démarche et bref, les accompagnent pour défendre et faire vivre leurs droits. La Ligue des droits de l'homme a une pouvoir champ de bataille qui fait défendre la démocratie, la légalité, la liberté et les droits fondamentaux. J'ai décidé d'adhérer à la LDH pour comprendre et m'expliquer ces phénomènes, avoir des outils et militer concrètement pour une société dans laquelle les droits de tous sont respectés dans les universités. À cause de son histoire, la Ligue des droits de l'homme, qui prête aide et assistance à toute personne dont qui se trouve en déficit de droit, c'est une lutte que j'ai plaisir à accompagner. J'essaie de faire en sorte qu'il y ait aussi beaucoup plus de nos camarades citoyens, si on peut dire les choses comme ça, qui puissent adhérer à notre association.